Salut à tous. C'est un miroir m'ont contacté via WhatsApp. D'autres m'ont appelé parce qu'ils n'étaient pas du tout contents de ma première vidéo que j'ai fait concernant cette image que nous avons vue dans les groupes WhatsApp et sur certaines pages Facebook. Un miroir et une policière dans la rue en train de se chamailler. Donc, ils m'ont appelé pour me dire, Franco, vraiment, tu as fait une vidéo pour soutenir la dame. Pourtant, tu ne savais pas vraiment ce qui se passait ce jour-là. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous veulent aussi savoir ce qui se passait vraiment ce jour-là. Je vous invite donc à écouter l'un des voices de ceux qui m'ont envoyé, parce qu'ils m'ont envoyé plusieurs voices. Écoutez attentivement et je vous prends après. Bonsoir. La femme de ce miroir dont vous parlez, vous avez fait la vidéo, doit être opérée urgemment, de toute urgence. C'est une question de vie ou de mort. Et ce monsieur s'en va comme ça chercher de l'argent et revenir urgemment à l'hôpital. Lorsque cette dame l'a interpellé, il s'est arrêté, il est descendu, il est allé vers elle. Il a soumis son problème. Elle a refusé de comprendre. Il a cherché même à changer l'itinéraire. Elle est partie frapper la main sur le capot de la voiture. Et lorsqu'elle a frappé la main sur le capot de la voiture, voilà comme il redescend donc. Se met à lui demander que mais madame, il y a un problème, vous avez un problème particulier avec moi. Elle lui dit que même avec les mains, tu ne peux pas. Et d'ailleurs, je suis ton chef. Un civil, comment est-ce qu'un civil peut être le chef d'un miroir? Les policiers sont des civils. Un civil ne peut pas être le chef d'un commando d'élite. C'est même parce que le pire est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Dans les années 2006, tu pouvais faire ça en miroir. Cet adjudant chef. Cet adjudant chef, c'est quelqu'un qui a fait de la guerre pendant des années. Il s'est énormément maîtrisé. Ça avait été quelqu'un d'autre à sa place. Je ne pense pas que nous serons toujours à ce niveau. Je vous assure. Ça avait été un autre à sa place. Je suis sûr qu'il aurait fait un truc à cette dame. Il s'est franchement maîtrisé. Ce qui est sûr, vous avez pris la version de cette dame. Après, vous vous êtes rangé. Et vous avez fait une sortie. Mais je vous assure que si vous cherchez aussi la version de ce monsieur, vous partez à l'hôpital, vérifiez. Vous aurez des informations sûres que la dame de ce monsieur a été diagnostiquée une grossesse escra et qui lui causait des problèmes, des ennuis de santé graves. Et il fallait l'opérer urgemment. C'était ou l'opération dans les quelques minutes qui suivaient où la dame décédait. Et ce monsieur s'est dépêché comme ça pour essayer de sauver la vie de sa femme. Même lorsque nous-mêmes, on est souvent là. Lorsque quelqu'un a un problème de vie ou de mort, ou un problème de santé urgent, une urgence, on te fait passer en priorité. Ce n'est pas peut-être parce que tu es plus influent que quelqu'un d'autre, ou bien parce que tu as plus de droits qu'un autre citoyen. Non, mais c'est parce que c'est une question de vie ou de mort, ou une question de santé. Ce n'est pas parce que nous portons la tenue que nous ne devons pas être humains. Nous sommes humains, nous sommes humains, nous sommes tous humains. Elle ne peut pas comparer son galon avec un gars du billet. Même un deuxième classe du billet. Elle est inspecteur de police, elle est civile. Un gendarme, oui, un gendarme peut comparer son galon avec un commando du billet. Un gendarme peut comparer son galon avec un militaire, parce que le gendarme peut même arrêter le militaire, il peut arrêter même le commando du billet. Mais un policier ne peut pas, n'a pas le pouvoir là. D'arrêter un gars du BI ou un militaire même, ou un gendarme. Un policier ne peut pas entendre un gendarme. Moi, je tire un coup de chapeau à ce grand frère parce qu'il a été professionnel. Il s'est énormément retenu. Il s'est franchement retenu. J'en connais plus d'un qui auront fait la fête de cette dame-là, là sur place. Donc, c'est ce que moi j'avais à vous dire. Je n'excite pas. Je n'excite pas à ce qu'on violente les gens, mais mettez-vous à la place de ce monsieur un seul instant. Pour une question de vie ou de mort sur sa femme, qui doit être opérée. Vraiment, je suis sûr que si ça avait été vous-même à la place de ce monsieur, si vous ne vous êtes pas arrêté à ce niveau, si vous êtes allé au-delà, si peut-être même vous avez porté main sur cette dame, peut-être même si vous l'avez même coincé avec votre véhicule. Hey! J'applaudis pour cet adjudant chef. La maîtrise a été vraiment de taille. Avant de laisser mon commentaire, j'invite tout le peuple de la République centrafricaine, dont si tu es résident de la RCA,
ne rate pas ce jeu concours de Afrique Tilor. Afrique Tilor, vous la connaissez très bien, c'est la meilleure bière consommée en RCA qui lance un jeu concours pour ses consommateurs. Donc si tu es fan ou si tu es consommateur de Afrique Tilor, va simplement sur Facebook, tu cherches la page Afrique Tilor, tu laisses deux commentaires. Premièrement, tu t'abonnes. Deuxièmement, tu laisses un commentaire. Dans ce commentaire, tu expliques ce qui te motive à consommer Afrique Tilor. Et l'autre commentaire, c'est celui qui te motive à participer à ce jeu concours. Rassurez-vous, les gagnants vont bénéficier de 3 palettes de cette merveilleuse bière Afrique Tilor. C'est la magie. Ne ratez pas cette occasion, les amis. Ok. Eh bien, on revient donc maintenant sur notre frère et notre sœur qu'on a vu dans la rue. Je ne veux pas... Vous savez, les gars m'ont appelé pour dire Franco, vraiment, on aime ce que tu fais, mais prendre parti de la femme, ce n'est pas juste. Moi, je n'ai pas pris position comme beaucoup m'ont appelé pour me dire tu as pris position. Non, non. Mon commentaire, c'était par rapport à l'image que j'ai vue dans les groupes WhatsApp sur les pages Facebook. Donc, je donnais juste tout mon commentaire, mon point de vue. Rien à voir avec... moi, je sais d'office qu'on ne brutalise pas la femme. C'est ce que je disais. Mais vraiment, vraiment, notre soeur, si tel est vraiment ce qu'on entend là, notre soeur s'est très mal comportée. Et j'interpelle vraiment les autres, ses collaborateurs, les autres policiers. Vraiment, quand vous êtes dans la rue, vraiment, essayez un peu de comprendre les autres. Hein? Inutile de nous présenter ce genre d'image. Ce n'est pas noble. Ce n'est pas présentable pour notre pays. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc... désolé encore à ce Birois qui était vraiment fâché pour ma sortie. Donc, je crois que c'est clair et que le peuple camerounais et certains, ceux qui ont regardé la vidéo, ont compris vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Big up, c'était le général Franco. Merci de partager la vidéo. Je vous l'offre. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.